Salut à tous et bienvenue sur xboxlive.fr, c'est PlayDizTheWise. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée au game DVR Xbox One. Celui-ci passe de 720p à 1080p et je vais vous montrer comment on réalise cette action. Alors, pour utiliser le game DVR en 1080p, déjà, dans un premier temps, il faut être inscrit dans le programme Insider Xbox et surtout être en zone alpha. Ce qui vous permettra d'avoir la dernière mise à jour. Pour l'instant, Microsoft n'a pas diffusé cette option à l'ensemble des joueurs. Ce le sera d'ici quelques mois, le temps que les bêta et les alpha testeurs puissent essuyer les plâtres, remonter les bugs et que la fonction soit le plus stable possible. Ensuite, donc pour ceux qui ont la possibilité de télécharger cette mise à jour, vous allez directement dans Préférences, dans les paramètres système de la console. Ensuite, vous allez sur l'onglet Diffusion et capture, et là, vous allez avoir la possibilité de changer, de switcher du 720p au 1080p. Si vous utilisez le disque dur interne de la console, vous ne pourrez enregistrer que 2 minutes maximum. Mais Microsoft a eu la bonne idée d'utiliser la gestion des périphériques externes pour pouvoir enregistrer plus de contenu en 1080p. Donc là, il suffit de connecter un disque dur autre que celui que vous utilisez pour installer vos jeux sur le port USB de votre console. Donc que ce soit un disque dur ou une clé USB. Donc si vous utilisez une clé USB, je vous conseille plutôt d'utiliser une clé qui fait entre 32 et 64 Go. Ça vous permettra vraiment de stocker le plus de contenu possible. Et donc là, grâce à ce périphérique externe, vous pourrez enregistrer jusqu'à 1 heure de contenu. Alors une fois que vous avez configuré votre game DVR comme vous le souhaitez, il suffit d'aller lancer un jeu et là vous constaterez que vous pouvez enregistrer en 1080p sur votre disque dur externe et surtout avec 60 minutes d'enregistrement en continu. Et ça c'est vraiment, mais vraiment du bonheur parce que vous avez plus à vous embêter à enregistrer 3, 4 minutes, 5 minutes, 10 minutes. Là, vous pouvez enregistrer plein pot comme vous voulez, jusqu'à ce que votre clé soit remplie. Vous désactivez votre clé USB, hop, vous branchez ça sur votre PC et vous faites votre montage comme vous le voulez. Ça n'a jamais été aussi simple et intuitif. Alors, à la fin de cette vidéo, vous pourrez voir le clip complet enregistré avec le game DVR pour voir les différences avec la version que j'ai enregistrée avec mon boîtier et celle enregistrée avec le game DVR. Et sinon, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura donné plus d'informations sur la prochaine mise à jour du game DVR. Et moi, je vous dis à très bientôt sur xboxlive.fr. Salut à tous!